D-War, JCK. Ouais, deux épisodes où t'es pas à l'heure. Ouais, effectivement. Mais c'est pas grave. Le plus important, c'est qu'il arrive le jour même. Hein, vous savez très très bien ce que je vais vous dire. Hein. Quand on aime, on ne compte pas ni l'heure, ni le nombre d'épisodes auxquels on fait. Ouais. En tout cas, j'espère que vous allez tous très 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 bien. Hein. Petit épisode comme tous les mardis, mercredi. Ah ouais, maintenant, ouais, je suis perdu dans les jours, moi. Ah oui. Alors, il y a des personnes qui vont me dire, ouais, tu fais moins de vidéos ces temps-ci. Pourquoi? Ah, j'attaque direct. Ah, j'attaque direct. Là, j'attaque direct. Hein. Ah oui, bah parce que il faut toujours une intro. Hein. Oui. Il faut toujours une intro quand on commence une vidéo et un sujet pertinent pour vous tenir accroché. Oui. Alors, attendez. Faut savoir les gars, si je ne fais pas, si je fais un petit tout petit peu moins de vidéos, c'est tout simplement parce que j'ai pas mal de trucs à faire. Voilà. J'ai pas mal de trucs à faire en ce moment, perso, etc. Professionnellement perso aussi. Voilà. Vous inquiétez pas, ça va revenir dans pas longtemps. On va tartiner les vidéos ensemble. Vous inquiétez pas. Du Nutella! Une Nutella sur une tartine de beurre. Oui, une tartine de beurre avec du Nutella, ça doit pas être bien bon, hein, mais c'est pas grave. Donc voilà pourquoi je suis un petit peu en retard. Le perso avant YouTube. Voilà. Naturellement, c'est comme ça que ça se passe. Alors, avant de commencer vraiment aussi parler de la vidéo, je tiens à vous dire, bah, à vous conseiller même d'aller voir le lien que je vais mettre en premier. Ça sera le premier lien de la chaîne de Fox. Si vous avez le temps après cette vidéo-là, ou même maintenant si vous avez envie, allez voir la chaîne de Fox. Il a fait pas mal de compilations de moi par rapport à mes let's play. Les moments où je rage, les moments où je gueule, etc., etc. Je pense que ça peut en faire rire pas mal d'entre vous. Ça regroupe dans Underground 1, Underground 2, etc., etc. Donc, allez-y, faites-vous plaisir, allez vous foutre de ma gueule en compilation, et c'est gratuit. Ah, mais ça serait sympa que vous allez lui mettre un petit like et tout, parce que ça doit mettre. Ah ouais, ça doit. Comment dire de faire. Je serais incapable de faire ce qu'il fait. En plus, je crois qu'il fait tout sur téléphone, donc assez chaud. Donc, pour la récompense, allez lui lâcher un petit like. Ça lui fera plaisir. Enfin, bref, allez! On commence le let's play avec trois petites étoiles que l'on doit faire. Donc vous connaissez les étoiles. Vous connaissez comme quoi je les aime beaucoup. Je déteste. Je déteste ces putains d'étoiles où il faut faire un chrono, etc. Alors, enfin bon, c'est pas grave. Là. Séance photo. On s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. On n'est pas photogénique. On est plutôt cargénique. Blé! Ah, je suis en forme. Ah bah, je suis en forme, non? J'ai mal là. Je sais pas comment j'ai dormi ou qu'est-ce que j'ai fait, mais j'ai mal. Mon Dieu que j'ai mal. Merde, ça commence mal. Ok, donc là, on reprend tout en sens inverse. Allez. Non, mais en tout cas, j'étais quand même assez surpris des vidéos hein, que je vous ai faites ces derniers temps. Le nombre de vues. Alors surtout c'était le let's play. Alors le let's play dernier, hein, le dernier let's play que j'ai fait, incroyable. Incroyable le nombre de vues qu'il y a eu. Alors là, pour d'habitude, c'est pas comme ça. Hein, let's play d'habitude, on est plus tranquille. En plus, c'est le let's play où je lâche le coup de gueule en début. Donc voilà quoi. Après, des gens, ils m'ont dit, ouais, JCK, t'as pas à dire que la Supra, c'est de la merde. Certes que j'ai oublié de mettre tous les packs de machin. Mais bon, j'aime beaucoup mon A3. Hein. C'est pas. Voilà. Non mais voilà. Je tenais quand même à vous remercier. Hein. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder mes let's play, etc. Je pensais pas que des let's play, quand même, ça allait intéresser énormément de monde. La preuve que comme quoi, Need for Speed vous manque vraiment. Alors quand je dis Need for Speed vous manque vraiment, c'est tout simplement. Les anciens Need for Speed, vous aimez énormément le rétro, etc., etc. Ça, je l'ai noté dans le coin de ma tête. Mais ouais, je pensais pas. Je ne pensais pas. Même si avec IA Hit, etc. Alors, malgré que je fais plus trop de vidéos sur Hit, mais vous inquiétez pas, les vidéos sur Hit, ça va arriver et tout. Parce que j'ai des trucs que j'ai mis en place dessus. Donc, il faut bien continuer. Hein, tout simplement. Ah ouais. Ça va être chaud patate, là. Allez, ma petite, on y va.
Il est temps d'activer le Nitrous! Allez, on s'en fout, le Nitrous! Cette première étoile était assez facile quand même. Ah, je vais dire ça, je vais me planter, je vais rager. En tout cas, mes anecdotes sur Noël, ça vous a quand même bien fait rire. C'est hallucinant, hein. C'est hallucinant. Alors, on m'a aussi demandé, alors ça, je pensais jamais en parler, je pensais pas que les gens allaient me demander ça. On m'a demandé aussi, vous savez, le bouton rejoindre. Alors ça, c'est plus sur Twitter et Instagram que on m'a posé la question. Quand c'est que je vais l'activer? Eh ben, je ne sais pas, parce que je sais pas en fait quoi vous mettre. Pour les personnes qui rejoignent la chaîne, quel avantage vous donner? Donc c'est vous qui allez choisir votre avantage, sachant qu'il y aura trois types d'abonnements, parce que je peux en mettre trois, hein, pas un seul ou deux ou trois, ou voilà, pas un seul, deux ou trois. Trois, c'est les limites, hein, voilà. Donc il y aura 3,99, je crois. Après, tu auras 5,99 et 9,99. Dites-moi ce que vous voulez. Alors malgré que je suis pas trop comme ça, j'aime pas trop. Maxi Tuning! Et on connaît ça! On connaît Maxi Tuning! Et je suis deg, j'arrive plus à retrouver mes bouquins de tuning. Je suis trop dégoûté. J'avais des anciens bouquins de tuning, j'arrive pas à les retrouver. C'est dommage. Bref, alors. Merde. Ah, ta, 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 ta. Là. Qui joue les. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Donc, oui, donc le bouton rejoindre, je vais l'activer, mais alors je sais pas quand. J'ai dit que j'allais l'activer, mais je sais pas. Faut déjà que vous me dites ce que vous voulez comme avantage pour les personnes qui veulent rejoindre, si vous voulez des avantages, etc. Sachant que je ne veux pas donner. Voilà, comment dire? Que tu payes, qu'il y ait des avantages, c'est normal. Mais je veux dire, c'est pas pour autant que je vais oublier les anciens abonnés et je vous dirai jamais de cliquer sur le bouton rejoindre si vous en avez pas envie. Hein. Ça, c'est. Ah bah, je m'appelle pas David Lafarge, hein, quand même. Malgré que. Voilà, quoi. Oh putain, vous allez croire que j'ai quelque chose contre lui alors que j'ai rien du tout contre lui quoi. Ça... En réalité, quand je regarde YouTube, etc., j'aime pas exceptionnellement beaucoup de YouTubeurs. Je sais pas vous. Je sais pas, il y en a des, mais je sais pas. Alors peut-être que je suis totalement con, hein. Il y en a des. Me sortent par les yeux, il y en a des que ça passe, mais autrement, j'ai du mal en ce moment à regarder YouTube. Dites-moi si vous c'est pareil, dites-moi si vous avez du mal à regarder YouTube ces temps-ci, s'il y a moins en moins de choses qui vous intéressent, etc., etc. Ma chaîne peut aussi en faire partie, hein, je suis totalement conscient de ça. Mais dites-moi, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal, il y a pas mal de YouTubeurs qui arrêtent ou quoi que ce soit, alors je ne sais pas pourquoi ou quoi que ce soit, hein. Mais c'est vrai, je trouve ça assez bizarre. Oh, joli ça! Je trouve ça assez bizarre. Avant, je regardais YouTube avant de me coucher ou quoi que ce soit. Parce que je suis pas quelqu'un qui regarde la télé ni des séries, tu vois. Donc, voilà quoi. Je trouve ça assez bizarre en ce moment. Je pense que c'est moi qui... Je pensais que c'était moi qui devenais vieux, mais c'est vrai que j'ai regardé deux trois trucs sur YouTube et j'ai pas l'impression qu'en fait que ce soit vraiment moi qui deviens vieux, hein, malgré que je suis toujours un enfant dans ma teuté. Et ouais, je sais pas. Dites-moi tout ça en commentaire, j'aime bien. Alors peut-être que je réponds pas, etc., souvent dans les commentaires, mais croyez que je lis tous les commentaires. Ça, c'est très important pour moi. De lire tous vos commentaires. Alors des fois j'y réponds, hein. Des fois j'y réponds, même j'essaye de répondre le plus souvent possible. Je suis en train en plus de vous répondre sur les messages Instagram. J'ai l'impression que ça va jamais se terminer. Ah oui, ah bah les messages Instagram, po, hein, ça envoie du lourd. Hein. Vous êtes actif quand même sur Instagram, encore plus que sur Twitter. Alors. De ma gueule, lui. Non! Pas par là. Mais est-ce qu'on va y arriver? Parce que là, je sens que ça va être encore un moment de rage. Faut pas trop que je m'excite dans tous les sens parce que j'ai mal au cou. Je sais pas ce que j'ai fait. Hein. Faudrait pas faire une partie de catch quand même. Je m'en souviendrai, je me serais fait dérouiller parce que je suis une plume. Ah ouais, moi, je suis totalement. Bah, dis donc que je peux pas être le gars. Je peux pas être le gars qui soit pour la violence, tu vois, quand tu me vois,
Toi, j'ai un corps, il est normal, tu vois. J'ai un corps de geek. Mais on est bien comme on est, hein. Nous les geeks. Hein. Ah oui? Ah, les geeks font de la muscu et tout, tu vois. Parce que c'est des garçons d'éther, tu vois. Moi, je fais de la muscu, j'ai mal partout pendant 6 mois. Si ce n'est pas plus. Alors, il est mieux de passer par où? Je pense que le mieux pour passer, là, c'est de prendre à gauche. Ouais, à gauche. On va passer par la gauche. Ah! Alors là, encore comme d'habitude, je ne sais même pas ce que je vous raconte. Hein, c'est totalement fristounet. Mais je sais que vous aimez ça. Je sais que vous aimez le freestyle quand je prépare pas de sujet. Tu vois, des trucs comme ça, c'est un truc de ouf. Je sais que vous kiffez, quoi. Ah, il y en a certains qui m'ont dit oui. Alors, oui, je vais vendre la 206 du Seigneur. Oui, je vais m'en séparer. Parce que c'est beaucoup trop d'entretien. Hein. Je vous le dis sincèrement. Déjà, je roule plus. Pratiquement. Parce que voilà, j'ai changé de ville et tout. J'ai une autre voiture. Et la 206, en fait, elle reste totalement en fait, dans le garage. Elle reste dans mon garage. Elle fait dodo au chaud. Donc, du coup, j'ai décidé de par la suite m'en séparer. On lui fera une petite vidéo d'adieu. Hein. On lui fera une petite vidéo d'adieu hein, quand même. Hein, parce que ça a été quand même une belle aventure avec par rapport à YouTube, etc. La 206 du Seigneur et tout et tout. Je vous en ai parlé plusieurs fois, elle est apparue dans certaines vidéos, beaucoup de stories sur Insta. Et puis voilà quoi. Alors, ce que je vais prendre, j'en sais rien, je regarde pas mal de choses. Beaucoup d'Allemands, hein, je regarde beaucoup de voitures allemandes. Alors, attendez, parce qu'on m'appelle en même temps. Attendez 2 secondes, hein, moi je décroche au téléphone. Allô? Allô? Ah, c'est en vidéo là. Oh, c'est terrible ça, hein. C'est terrible, hein. Bon, attends. Oh! Sortez avec des gars, les gars, je vous le dis, parce que les femmes, y est chiant, hein. J'en reviens. C'est terrible ça, hein. Je suis en train de la faire. Bah ouais. Incroyable ça. Incroyable. Hein. Non mais, les gars. Non mais attendez, là, faut que je vous le dise quand même. Hein? Quand c'est pas le jeu qui me casse les couilles, c'est autre chose. Elle me dit, la porte est fermée. Je descends en bas, t'as laissé tes clés sur la porte. Non, bah non, mes clés sont pas sur la porte. Pour ouvrir une porte, je le dis, hein, tous ceux qui auraient des compagnes. Pour ouvrir une porte, dites-leur qu'il faut mettre la clé dans la porte. Pas seulement faire ça. Ah, je suis descendu pour rien. On a perdu 4 minutes ou plus, je ne sais pas. Hein. Voilà. Ah, comme je vous dis, je peux jamais être tranquille. Jamais être tranquille, quoi. Donc oui, alors. Donc je vous disais que je ne sais pas quoi prendre. Là, quand je disais sortez avec des hommes, non mais faites-le si vous en avez vraiment envie ou si vous êtes de l'autre côté de la barrière, tu vois. Bah non mais je rigole. Hein. Pas se prendre des trucs dans l'anus pour faire plaisir aux gens quand même. Bah oui. Allez, let's go baby. Non mais en fait, honnêtement, je serais bien tenté par une Golf. Ouais, je serais bien tenté par une petite Golf. Alors. J'aime bien les Golf 4. Alors vous allez me dire, ouais, mais pourquoi tu prends pas une Golf 7R, machin? Qu'est-ce que vous voulez que j'en foute? Qu'est-ce que vous voulez que j'en foute
de votre Golf R. Je n'ai rien à faire du tout. Je peux pas prendre une voiture puissante, outre le fait que je ne conduis plus, pratiquement plus. Bah, je conduis pratiquement plus. Alors, il y a aussi la dernière fois, j'ai rencontré trois abonnés. Côté surpris de me voir à certains endroits, qui m'ont dit, bah, t'habites toujours ici. Alors, je ne peux pas dire où j'habite. Je ne dirai pas où, je ne dirai plus où j'habite. Hein. Je ne dirai plus où j'habite pour des raisons personnelles. Donc voilà, je fausse un peu les pistes, hein, je le dis, j'ai pas été très honnête, mais je fausse un peu les pistes avec les 3-4 personnes qui m'ont reconnu, qui sont venues me parler. Je fausse les pistes, mais voilà, c'est plus pour moi, pour ma vie personnelle, hein. Donc voilà, dorénavant, ce sera comme ça. Donc vous pouvez me voir à certains endroits et puis me voir dans Chalon-sur-Saône, Creusot. Monceau-les-Mines. Voilà, je vous ai dit un peu la zone si géographique là où j'habite. Maintenant. Ah, c'est à côté de ces trois villes. Après, démerdez-vous avec ça si vous avez envie. Ah putain. Ah, n'empêche, j'ai été surpris quand même de voir. Ah ouais. Surtout deux petits. Ah bah, deux petits. Ils avaient quoi? Ils avaient 15, 16 ans. Regarde comme ça. Je leur dis, mais. Tiens, bah, tu me regardes, qu'est-ce qu'il y a, toi? Mais ça dit c'est ça? Ouais, ça va. C'est bizarre. C'est même moi qui est plus mal à l'aise que vous. Vous êtes mal à l'aise. Hein. Je pense que c'est plus moi qui est mal à l'aise que vous, hein, dans l'histoire. Ah ouais, moi, je sais pas, quand des fois, ça arrivait quelquefois que l'on me reconnaisse, hein, par rapport à mes vidéos. Bon, je sais pas me foutre. Hein. Ah ouais, d'habitude, je suis quelqu'un qui est pas timide. Je suis pas timide, moi. Ah ouais, me bats les couilles. Je suis pas timide. Mais alors, quand on me parle de ma chaîne YouTube, quand on me reconnaît. Ah, oh, mais t'es monsieur, je sais. Bah ouais. Et là, mon gars, là, je sais plus où me foutre. Si je pourrais me foutre dans une poubelle remplie de poissons. Ah, je m'y fous. Ah oui, ah bah. Ah, il est terrible. Hein. Il est terrible. Hein. Ah, je vous jure, je vous dis, les gars, maintenant j'ai Most Wanted sur PC. Merci Spidou pour Most Wanted sur PC, de m'avoir envoyé le crack et tout. Je te remercie énormément. Hein. Je vais totalement enlever les PNJ. Ah ouais, maintenant j'en ai marre. J'en ai marre des PNJ. Je ne peux plus. C'est plus possible. Ce n'est plus possible du tout. Je suis incompatible avec toutes sortes de PNJ qu'il y a dans les jeux maintenant. C'est un truc de flou, hein. Ah ouais. Bah, putain, j'aurais pas dû manger la boîte de Kinder Country, moi, putain. Ah ouais, c'est presque 4 heures. Hein. Bah, c'était presque 4 heures. J'ai pas eu le temps de faire mes 4 heures. Parce que, oui, je fais toujours mes 4 heures. Ah bah, attends. Allez. Allez! Voilà. Bon, attends, on va commencer à devoir chercher les courses secrètes. Bah, les courses cachées. Et j'ai encore oublié d'ouvrir le lien que l'abonné m'a envoyé, quoi. Putain! Incroyable, ça. Oh, Oh. La PS2, bizarrement, ne fait plus de sienne. C'est-à-dire qu'il y a toujours un décalage, mais elle s'allume. Elle s'éteint plus, mais elle s'allume. Je suis obligé de l'éteindre, vous savez, derrière le bouton poussoir là, on/off. Ben, je suis obligé de l'éteindre par là. Et dès que j'appuie sur, en fait, elle s'allume toute seule. Hein, dès que je peux plus l'éteindre, elle tourne en permanence. C'est un radiateur. Ah bah oui. Ah bah ça, t'as pas de chauffage chez toi, tu mets une demi-douzaine de PS2, c'est bon, t'es tranquille. Hein. Ah oui. Allez, il nous reste quoi là à faire? On s'en fout. Alors, on va attendre la concession. On s'en fout, d'accord. Il nous reste une étoile, je crois. Oh putain, après, dis-moi pas qu'il reste les courses à 4x4. Oh, dis-moi pas qu'il restait les courses de 4x4. Oh non. Oh, par pitié.
Parce qu'en plus, il va falloir que je le custom. Oh, on ira voir ça après. Mais j'ai été quand même assez surpris de voir que vous étiez quand même assez nombreux, hein. Que vous y étiez assez nombreux, hein. De je sais plus ce que je disais. Ah oui, de voir que en fait, il n'y avait pas que moi qui galère sur ce jeu, qui galérait à l'époque, hein. Parce que quand je vois des personnes, ils me disent, ouais, c'est le Need for Speed où j'ai le plus galéré et tout. C'est. Ah, par exemple, ah, je vous le dis, je suis en train de me refaire Need for Speed Revol. Oh! Mais quel bonheur ce jeu! Mais quel bonheur! Mais je vous dis, je prends un pied phénoménal! Putain, honnêtement, c'est un truc de ouf, quoi. Il y a du monde encore sur ce jeu. C'est. Comme quoi, hein. Ah, je vous l'accorde, il n'y a pas de customisation, il n'y a pas de jackie tuning. Wow, c'est assez light, hein, tu vois. Mais bon. Tac. Allez. Y a pas un petit PNJ qui traîne là? Bah si. Vivement Mozantide, je vous le dis. Ah, mais il y a un petit truc que j'ai pas découvert là. Ouais, tutut, on a compris, ouais. On l'avait pas découvert, je suis obligé d'y aller, parce que après je vais l'oublier, tu connais les bails, je vais y chercher pendant 1000 ans, va falloir que j'y aille, et patati, et patata, et nanani. Ah, quoi. Allez, négro, là, putain. Putain, tu remarches bien, mais putain, mais tu mets du temps, hein. Ça, c'est un bon vieux diesel, hein. Ouais, donc je sais pas, en fait. Je sais pas ce que je vais prendre comme voiture. Ouais, je regardais les Golf 4, c'est que c'est quand même relativement. C'est accessible, pardon. Et c'est pas si cher que ça, quand même, hein, les Golf 4. Hein. Vous allez me dire, ouais, mais c'est des anciennes voitures, il y a beaucoup de bornes. Non, je pense pas qu'il y ait beaucoup de bornes. Bah, pour ces voitures-là, le nombre de bornes, je pense pas qu'il y en ait vraiment. Je pense que c'est normal, tu vois. Après, c'est de l'allemand. J'ai jamais entendu quelqu'un se plaindre des Golf 4. Dites-moi, hein, si vous vous en avez eu et puis que c'est de la merde, hein, dites-moi. Hein. Dites-moi, tiens, qu'est-ce que vous me conseillez après la 206? Dites-moi. Alors, bien évidemment, Supra, etc., j'aimerais beaucoup, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, c'est beaucoup trop cher. Il y a un coût à dépenser le PIB du Portugal dans une voiture. C'est très joli le Portugal, mais tu vois, j'ai pas trop envie de l'acheter, tu vois. Ah, je mets tout à fond, on s'en fout de l'esthétique. Alors, on lui met deux trous de nez sur le toit pour qu'elle respire mieux, on sait jamais. Allez, on s'en fout. Il faut que je garde de la thune. Ça me saoule de garder de la thune pour un putain de 4x4 qui va rien avancer. Je fais ça, c'est pour. Alors, pour les personnes qui se disent, mais sa voiture, elle est dégueulasse comme ça. Oui, c'est normal. Ne t'inquiète pas pour moi. Je sais pas ce que je fais. Mais ça va bien se passer. Oh, elles sont trop belles. Oh, putain, elles sont trop belles. Ah, je kiffe ces jantes. Je kiffe. Je crois que si je m'achète une allemande, je mets ces jantes-là. Direct. Oh, on n'a pas besoin. Ok, allez. On va faire l'étoile. Puis après, on va galérer à faire un putain de 4x4 que ni moi, hein, ni vous, vous avez envie de voir. Hein, parce que, voilà, je me souviens des derniers commentaires quand je parlais des courses de 4x4. Il n'y a pas beaucoup de monde qui aime regarder des courses de 4x4. À part si ça va dans la patrouille, si ça fait de la. Si ça fait de la grimpette, tu vois. Ouais, ok, là, je suis d'accord, c'est pour faire du franchissement. Mais du 4x4 sur route, les gars, ça sert à rien. Ça sert à rien, c'est comme ceux qui achètent des SUV. Pourquoi t'achètes un SUV? Tu vis en pleine ville. Dis-moi pas que tu vas franchir que des trottoirs, tu vois. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, c'est vrai que si j'achète un SUV, ah, c'est pour ramonner un peu. Bah,
si j'achète un 4x4, moi, c'est pour le mettre dans la boue, c'est pour. Ah. Là, mon père, on a deux. On a trois. On a eu trois. Il a eu un Jeep Cherokee, je vous en avais déjà parlé. C'est un monstre. Le Jeep Cherokee. Dark. Bah, qu'est-ce que c'est? Un poil de cul? Non, je sais pas ce que c'est. Alors la jaquette, la jaquette. Allons me faire la jaquette. Ok. Eh ben on y va, Negra. Ah, mais il y a encore une étoile. Oh, elle est pas si loin, celle-ci. On va faire celle-ci. On va faire celle-ci. Ouais, il avait un Jeep Cherokee. Hein, il a eu le Jeep Cherokee. Qui était. Ah, c'était un monstre, le bordel. Il grimpait tout. Ah, ouais. Même ma mère, le Jeep, il l'a grimpé. Ouais, oui, il a grimpé sur ma mère. Zéro respect. Mais c'est comme ça qu'on m'aime. Eh oui, les gars. Après, il a eu quoi? Un Frontera? Non, je sais plus ce que c'était. Là, il a eu. Là, il a un 4x4. Il s'est acheté un 4x4 américain. Avec les trucs aux commandes, là. Pour rien faire. Sûrement, hein, pour le collectionner. Mais il s'amuse bien. Après, il a son petit ML pour conduire dans la vie de tous les jours. Mais il aime bien les 4x4. Il aime bien les trucs de sagouin, t'sais. Alors que moi, tu vois, j'ai mieux les trucs, tu vois, totalement à l'opposé avec lui. Hein. Ah, bah, oui. Ah ouais, c'est noir et blanc, mon père, moi. C'est affreux. Wouh! Le mur. Ah, 206, tiens, chien! Allez. Allez. Merde. C'est tout? Frimer ma gueule. Bon, bah, on va pas frimer qu'avec ça. Hein. Ouais, bon, ça suffira. Ouais. Oh la jaquette de ouf, quoi. La jaquette de ouf. Ah, moi direct, moi je te jure, moi j'achète un 4. Je suis en train de penser à acheter un 4x4, tu vois. Si j'aurais un 4x4, oh, les vidéos que je vous ferais. Ah, je vous dis, moi je sauterais dans des. Dans des lacs. Dans des lacs, hein, mais ouais, dans des lacs où tu puisses rouler, tu vois. Des trucs. Des grosses mares, on va appeler ça comme ça. Ce serait mon kiff, moi. Je l'achète, je fais ça, je fais de la merde. Alors, alors les gars, faut me dire, hein, faut me dire à combien je suis de pourcents, parce que là j'en ai marre. J'en ai marre. Alors, il y en a, je sais plus qui c'est qui a dit, il faut qu'il arrête Underground 2 qui passe sur Most Wanted. Non, 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 je dis que je faisais jusqu'au bout Underground 2. Ah non, j'ai dit quoi avant? Faut que j'arrête Most Wanted pour faire Most Wanted. Je suis un peu concon, moi, des moments. Non, faut que j'arrête, en fait, de Underground 2 pour passer sur Most Wanted. Alors, non, ben non, les gars. On va pas faire ça. Hein. On va pas s'avouer vaincu. S'il faut 60 épisodes, il y aura 60 épisodes. Hein? Eh merde. Casse-toi. Putain, dire qu'il faut que j'aille chercher un 4x4 après. Putain, pas envie. Mais qu'est-ce que tu fous là, toi? Dégage! Putain, c'est impossible ces gens-là qui se garent en plein milieu de l'autoroute. Alors. Allez, on va par là. Ah, qu'est-ce que je vais être content, je leur redis encore une fois les gars, qu'est-ce que je vais être content de passer à Most Wanted. Oh,
Le bonheur! Parce qu'après Mozanti, il y a Carbone, et là. Et là, c'est encore plus, c'est encore le bonheur assuré. Oh non. Ah! Oui! Ah! Allez, on continue par là. Et après, on peut aller là-bas. Ah, je suis concentré là, parce que j'aimerais tellement que ça aille vite à partir de maintenant. Ah! Mais tiens! P! D! Allez, on y va, on fonce. Je vais faire... La 3 m'a dit que c'était l'une des meilleures voitures du jeu. Bah, je peux confirmer maintenant. Là, t'es surpris que j'ai pas ragé, hein. Non! Ah, c'est pas grave, on peut passer par là-bas. Là. La prochaine. Là. On est dans Chinatown, là, ou quoi? Les étoiles se sont bien passées pour une fois. Elle veut pas sucer que le pot d'échappement, les gars. Ça se voit. Ça se voit. Ça sent même. Allez. Je suis obligé d'aller courir après un 4x4. Mais j'en ai marre, mais j'ai pas envie. J'ai pas envie, je vous dis, de courir avec un 4x4, mais... Je préférerais mettre une douzaine de suppôts dans le derrière que plutôt conduire un 4x4 sur ce jeu. C'est un truc de ouf. Ah putain, qui se souvient des suppôts? Ah non mais. Ah je parle de tout et de rien, mais tu vois, mais qui se souvient des suppôts? Des suppôts! Hein? Le truc, tu le mets là où je pense. Une fois sur deux, le bordel, il ressort! Et vas-y que tu... Faut vraiment que j'arrête de dire n'importe quoi parce que... Là, on parle de suppôts. Parle de suppôts, quoi. Dites-moi sur une autre... Dites-moi sur quelle autre chaîne votre, le youtubeur en question parle de suppositoire. Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il y en ait d'autres, hein. Ah ouais, mais attends, mais là... Eh frérot! Ah mais non, mais ça c'est mes contrats acquis. Changer de voiture. Non, pas la Supra. Vilaine! Tu vois, la différence entre un jeu d'aujourd'hui et un jeu d'avant. Regarde bien le jeu d'aujourd'hui. Tout ça, tu peux y déverrouiller. Tu vois? Tout ça, tu peux mettre des, remettre des voitures, etc. sans payer. Maintenant, si tu veux mettre plus de voitures dans ton garage, dans certains jeux, tu dois payer. C'est terrible, hein. C'est totalement terrible. Veux-tu rouler en... Oui. Malheureusement, oui. Bah, j'ai pas le choix, hein. Sinon, ça se ferait. Alors... non, mais c'est incroyable. Oh putain, les gars, j'ai changé d'iPhone. J'ai pris le 11. Incroyable. Ah oui, il y en a des qui vont me dire le pigeon, juste qu'un pigeon. Bah ben, ouais. Je l'ai pas payé donc. Ah tu vois, je suis parti chez Bouygues les gars. Ah non, alors là, c'est une histoire à dormir debout. Hein. J'insulte Bouygues tous les jours. Je trouve le moyen de prendre un abonnement chez Bouygues et en plus téléphone à 0 euro, 0 euro. Je vous dis pas, bon, j'aurais eu l'iPhone à 300 balles, je restais là où j'étais, tu vois. Mais bon. Alors, qu'est-ce que tu me racontes, toi? Bah oui, il y a des courses. Bah oui. On va aller à l'atelier de performance. Oh.
Ah, ça ferait dégueuler un yinche. Hein. Aïe, attendez, attends, top, pop, pop, qui y a là? Un truc que j'ai pas encore découvert, j'aurais dû découvrir là. Oh bah tiens! Oh, et puis en plus de la thune! Oh mais c'est beau ça. Oh putain, mais comment tu veux? Ah ok, d'accord. Donc en fait, ils sont pète-couilles jusqu'au bout. Et bah, on va y aller en marche arrière. Ah, oh, pour 50 balles. Bon, c'est toujours 50 balles, hein. Oh, comment ça me fout la chiasse. Ça me déprime. Ça me déprime de rouler en 4x4, quoi. Ça me. Ah! Par exemple, si ça va de 7000 en 7000, on va pas aller bien loin à niveau thune. Hein. Putain, regarde-moi ça, il me bouffe toute ma thune, ce gros sac à merde. Oh! Non! Donc 1, 2. C'est vrai qu'à chaque fois j'oublie, je pars directement sur le 3, mais tu vois, faut tout acheter en fait sur ce putain de jeu. Le Nitrous. Bah non, ça. Elle me saoule, Rachel, là, à parler là. Et entre le bitume et toi, il n'y a que tes pneus. Ah bon? Alors. Hop. Hein? J'ai pas mes turbos, j'ai tout dépensé dans de la merde. Oh, c'est pas grave. On va faire de la thune et puis après on ira se payer un turbo. Faut au bout là. Les gars, je crois que je suis au bout là. Mais après, il faut que je déverrouille certaines courses. Il va peut-être falloir aussi que je tuning un petit peu le 4x4, ça se trouve. Ce que je n'espère pas. Ah, je vous le dis, s'il faut passer encore du temps, je mettrai fin. Non, je me. Non, non, faut pas que je parte défaitiste. Il faut pas que je parte défaitiste. Je peux pas partir comme ça. On est des bonhommes ou on n'est pas des bonhommes? Oh, le rupteur à 80! Ouh là 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 là! Ouh, ça s'annonce lourd. Allez! Je suis heureux, hein. Est-ce que ça se voit? Mais ça tourne même pas, cette grosse merde. Ah, ça va être le pire moment de la vidéo, hein. Je passe plus de temps à frotter les murs qu'à faire autre chose, putain. Tu sais que ça pétarade? Ah! Oh, le PNJ là, fais-moi pas chier, c'est pas le moment. Y a pas quelqu'un qui veut venir les faire à ma place, quoi, parce que là, oh, je vais envoyer ma carte mémoire à un de vous, hein, par la poste.
Et puis ce que je vais faire, c'est que je vais dire que j'ai fini le jeu en off. Allez, casse-toi de là avec ton Uber. Alors, le Hummer, c'est vraiment un 4x4 de frimeur. Mais de ouf! De ouf! Oh, ça va, il y a deux tours. Oh, mais tu peux plus. Ah, je vais rabâcher, mais je peux pas. Hein. C'est plus fort que moi. Hein. J'aimerais trop qu'il refasse. Tu vois, encore, il y a un truc que je me dis. C'est que là, vous regardez, vous. Donc ça va. Mais en fait, moi, c'est comme je vous l'ai dit, c'est tout pixelisé. Je m'arrache les yeux à chaque fois que je fais un let's play, tu vois. Je m'arrache les yeux. Je vous le dis sincèrement. C'est une horreur. Hein? J'aimerais tellement que il se bouge le cul. Ouais, Ghost, Critarion, je sais pas qui, je sais pas quoi, tu vois. Puis je m'en fous. J'aimerais tellement qu'ils remasterisent des choses comme ça. Tellement. Pas pour que l'on ait des beaux graphismes, des beaux trucs. Mais non. Non. Bah non. Mais bien sûr que non. Putain, mais c'est tellement ennuyant, mais putain, je me fais chier la bite. Ah. Ouais, youpi. Oh, c'est barbant. En plus. Pouh, mais quelle idée vous avez été de nous foutre des 4x4, quoi. Honnêtement, c'était une bonne idée. Mais fallait mettre ça dans de la terre, dans, je sais pas, des courses de tout terrain, tu vois, ils ont compris maintenant. Fallait mettre les 4x4, c'est sur tout terrain. Après, bah, maintenant, tu peux t'amuser un peu plus, tu vois, avec les 4x4. Mais avant, mais. Déjà, avant, je ne les supportais pas. Hein. Puis avant, c'était le délire des Hummers. Look, croyez-moi que le premier 4x4 que j'ai pris, le 4x4, pardon, que j'avais pris, c'était quoi? C'était un Hummer. Jackie au bout. Je vous dis, ça m'a donné envie de dormir, là, la fin du let's play. Oh! Oh le. Il m'a cassé. Il m'a cassé, ça. C'est vrai. C'est Ibo. Le. Je sais pas comment je vais appeler ça. Le let's play de l'ennui. Voilà, l'ennui. L'ennui du 4x4. Alors, bon, il faudra attendre 43 minutes pour que tu puisses comprendre le titre. Mais voilà, c'est un ennui! Mais un ennui! Mais un ennui, putain! Là, j'ai limite envie, je sais pas, de me mettre un ASMR dans l'oreille, là, et puis de. Puis d'aller dans ma cour, sous mon arbre. Et puis d'attendre le temps qui passe. JCK, poétique, oui. Ah! Tais-toi, Rachel, avec tes courses, je sais pas quoi. Il nous reste quoi là? Ah, il reste trop. Oh. Vous savez ce qu'on va faire? Parce que là, j'étais bien parti, mais là, du coup, ça. Non. Non. Non, là, j'ai plus envie de continuer aujourd'hui, tu vois, les 4x4, ça m'a. Alors, le prochain épisode, c'est pire parce qu'il faudra deux courses de 4x4, hein, voire peut-être même plus. Ça m'a fait bailler! Qu'est-ce que tu veux? Enfin, bref, en tout cas, j'espère, les gars, que vous avez aimé ce petit épisode. Hein. Malheureusement, j'ai été dérangé, hein, dans ce petit épisode. C'est malheureux, ça, mais bon, c'est comme ça, hein.
La prochaine fois, je dirais, apprends, je vais lui apprendre, là, je vais descendre, je vais lui apprendre à mettre une clé dans un trou, parce que, dans une serrure, hein, parce que, ça me plaît pas trop, tu vois, quand on me dérange quand je fais des vidéos, moi, déranger les autres, ça va, mais quand les autres me dérangent quand je fais quelque chose, non, non. Enfin bref, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Lâchez votre petit like si ça, bah, si c'est le cas, tout simplement. Il y a les réseaux, etc. N'oubliez pas d'aller voir la vidéo de Fox. Si tu es toujours là, tu tapes simplement le hashtag Fox. Et puis ça lui fera plaisir. Et puis voilà. C'était Monsieur JCK. Plus!